Salut Saphir. Ça se passe difficilement. Attendre que l'autre arrive. Let's go. Non. Moi qui me gourde de boutons aussi, ça aide pas. Ok, maintenant on est bon. Ah, des munitions. C'est un peu c'est bien la tactique, mais c'est un peu... Voilà quoi. Où tu vas? Je pourrais faire le tour sur la gauche. Salut Eki, bienvenue. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. On est juste au début de toute façon. Pour l'instant moi la difficulté c'est plutôt le gameplay. C'est pas... Ça manque de précision en fait pour un jeu comme ça. On va se mettre là. Toi tu vas... Tu vas te cacher. Ok. Je pensais être complètement vu, mais pardon. Ah, il est sur. Ah oui, oui, il est sur Switch. Il est sur console et Switch et PC et Steam. Ouais, exact. J'ai oublié. Il a combien sur Switch? Parce que sur Steam, il est pas cher. Je crois qu'il a 22. C'est un peu sombre par contre. Yes. Aubrey. We're partners now? Better chances to get our asses out of this merry chaos. Wait, drones! Why are the security drones fighting us? They aren't the ones Rain hacked. Shit, we have to reach Deke at our arrival spot, quickly. Genre les moments de combat, c'est pas top top. Enfin bref. Pour l'instant, ça passe.
Ouais, c'est pas folichon, c'est pas... Ah, c'est elle. Hannah, what's going on? He's with us. Run to the shuttle. On est à 3. Moi, ce que je veux voir, c'est quand elle commence à s'embrasser et tout ça. Moi, c'est seul... je joue seulement pour ça, en fait. Le reste, pas vraiment intéressant. On fait le tank. Oh putain, non, on fait pas le tank. Où elle tire ? Ah, il y a des munitions là, c'est pas... Genre après on peut faire... stratégie. Alors toi tu te mets là. Tu tires. Toi tu... Toi tu vas là. Toi tu fais ça, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile cette stratégie, cette pseudo tactique en fait? Ah ben les Fear Effect, hein, c'est ça. Do we have a guest? Let's see. What were you doing here? Same question for you. Who's your target? Can someone just explain who he is? Already met in Asia. He's DGSE. Looks like he loves ancient arts too. French Secret Service. Company man, eh? The name's Axel. As far as we know, right? Right. Ambassador's protection. Well done. So you were here. I bet he was your target. I won't tell you. There is valuable information we can trade. Let me guess. Art pieces? I was here to spy around. The ambassador was in art traffic, but no proof. There's more than that. Ancient artifacts from several cultures have disappeared these last months. We had a track, now the ambassador is dead. I need a team. We have a cost. Well, not if you fail. Close enough. Well, we can get the money if we finish it, but I don't trust the Frenchie. Me neither. The statuette stolen by the commando. Your goal. Bloody hell, Axel, you always come with trouble. Yeah, people who live in glass houses shouldn't throw stones. What do I get? I said it. The information leading to our next stop, where the statuette is. Tell us. Well, last year some museums lost some art pieces from their stock. Same in private collections. Just small pieces. Took months to notice that something was on the go. Especially Asian, Northern, and Eastern European artifacts. None of the usual receivers have seen them. We started investigations and watched the collections that could interest the robbers. Like the ambassadors. At least you were right. Oh no. Sounds like there's something else. We've dealt with something else before, mate. It didn't go so well. What's your offer? You have the statuette. I have information. So how much do you pay? The unofficial but well-paid French government's gratefulness. Plus price of your original mission. Double. Triple. What she said. And additional travel costs. Meaning? Where's your track leading us to? Far away. North. I lost contact with one of my informers in Nuuk. Nuuk? Greenland? Oh, I don't do good in the cold. You don't do good anywhere. True words, my love. Do we have a deal? Up to you, but money. We have a deal. We follow the track, we grab the statuette, and we clear off. No more. Pour un Français, il a bien perdu son accent quand même. Hein. Where's your meeting? That's the docks, 8 PM. No news. Maybe you shouldn't go alone. Better to split up and grab as much information as possible. Hotel 2200. If you're not there... I'd better be dead. Got it. Rain, you and Deke play the wealthy tourists. See what you can find out with the locals there. We're wealthy? Sure. Axel's inviting us. K.
can't, Dollface. We're gonna be the richest and happiest visitors in this very touristy place. Is there at least a bar in the hotel? Indeed. He is French. Oh, come on. C'était quoi la blague? See you at 10 p.m. Yeah. Deke, don't sleep in my bed. And don't steal my girl. No worries. No promises. I was planning to sneak in the city museum, the Ab archives. If some items were stolen, they'll know. I take it. Welcome. Are you looking for something or visiting? Hi, I'm looking for information about Inuit arts and crafts. Is there anything I can read about that here? Sure. You can get access to the collections by taking a tour of the museum or consult the archives as well. Here's the catalog. Each reference has a special code. You can open the related drawers with these buttons. Oh, thanks a lot. Oh. Trouver un accès à l'étage inférieur. Sorry to interrupt again. Do you have things related to modern legends? Not sure what you mean. The way how old tales are seen or known today. Ah, not really. Inuit mythology is quite old, and culture isn't strong anymore. But you're not the only one asking. Oh, really? Yes. Some young people came last week to read about tales too. They were talking about shadows, creatures, mysterious things they were pretending to see in town. Probably a new game at school. Sure, the age you love horror movies. Exactly. Okay. Papa? Appel d'urgence d'une femme a versé une silhouette derrière sa maison. Après donner la main à un seul individu, une femme affirme qu'il tenait sur ses deux pattes postérieures. J'ai vu une personne qui a à peu près 3 mètres de haut. Une bestiole, sûrement. Ça sert à quoi de faire ça? Ok, on a 1 et 2. C'est quoi ça? Caméra? Please avoid this area. Ok, faut désinstaller ça, couper, enfin je sais pas, faire quelque chose. 0, moins 1. Ah, c'est pour aller au moins 1 en fait. Ça marche. Interesting things downstairs, but locked. The receptionist should have the key. Mind the civilians. You gave me mines. Only joking, but there's too many possible witnesses here. Can't avoid them by hiding behind things, or make them leave. Drawers are moving, and there should be a fire alarm somewhere. That's an idea. Hmm. On va devoir activer la... l'alarme. What the? Pourquoi je peux pas intruder in the archives. She's got weapons. Oh shit. OK. Where's your meeting? Oh putain. Ah. Hmm.
On va voir ce qu'il y a au deuxième. Pas un truc à check. Non. Et là, si on appuie, personne ne voit là. Ah mais merde, je peux pas le faire. Merde. Hop. Access is restricted. Ça on l'a vu. Please avoid this area. Faut avoir lu en fait. Voilà, on a fait les conversations. Ok. On va attendre que lorsque elle se barre. On va voir si on peut activer l'alarme. Parce que je vois pas trop d'autres solutions en fait. Il y a lui aussi qui me voit. Is that the fire alarm? Run! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on avance. J'ai l'impression de comprendre que Sedna n'est pas une déesse à proprement parler, les individus n'ayant pas de panthéon. Elle est l'esprit de la mer et de toutes les créatures marines. A donné vie au peuple inuit. La légende la décrit comme une jeune femme indépendante qui refusa tour à tour tous les maris potentiels présentés par son père. Pour le punir, ce dernier l'envoya sur une île isolée avec un homme pour forcer leur union. C'est intéressant ça. Et Senna tenta de s'échapper et en s'accrochant à la barque de son père, qu'il a fait sombrer dans les flots en utilisant sa rame, lui coupant les doigts au passage. En touchant le fond, elle traversa la barrière entre le monde devint l'esprit de l'océan. Faut l'utiliser où la carte? Voilà. Aha. Ça va, c'est pas très dur. Ok, je vais faire une petite pause. Puis après on continue. La chose avec les Fear Effect, c'est que quand ils étaient sortis... Ah tiens, on a des mines. On a des mines. C'est que c'était quand même osé, quoi. C'était quand même assez osé. Et mais bon, c'était il y a 20 ans, quoi, presque. Corps trouvé dans une ruelle, marque de griffes dans le dos et à la tête. Probablement un ours polaire, bien que l'espacement entre les griffes suggère un animal plus gros. Après enquête, on trouvait divers ossements d'animaux tout autour de la zone, mais aucune carcasse entière. Intéressant. Et du coup, bon, maintenant, on est en 2018, donc pourquoi pas faire un truc un peu... I'm downstairs. I see tons of machines, but I need to open the doors first. Un peu plus osé. Guards? Zero visible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, maintenant, on joue à GTA, on tue des putes, enfin voilà quoi. Donc à la limite... Pourquoi pas y aller un peu plus franchement? Qu'est-ce que je dois faire? Rouge. Ah. Quoi? What?
Attends, rouge, faut qu'il aille en bas. Ah non. Ah, faut maintenir. Ok, d'accord, on recommence. Ah, faut maintenir. Sans virer au porno. Je ne dis pas non s'il y aura des scènes comme The Witcher 3. Bah voilà, par exemple. Par exemple. Alors, maintien. Oh putain, ça rend fou. Hein. Oh putain. Pourquoi ça marche pas? Arrive. Ok. Rouge en premier, bleu. Rouge, vert. Bleu, rouge. Ta mère. Ok. Alors c'est moi qui ai un délai ou quoi? Parce que la manette, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'elle réagit plus. J'ai l'impression de jouer à un jeu de musique, vous savez, les Guitar Hero ou un truc comme ça. Ça, c'est les jeux que je déteste, quoi. Oh, putain, j'ai merdé. Je peux pas faire deux en même temps. Ça va me prend de la tête. Ok, on est reparti. Le truc, c'est qu'on peut pas en ouvrir deux en même temps, donc faut bien calculer le temps. Oh la vache. Merde. C'est bon ? Then, what should I look for? I bet the latest news will be encrypted in the latest tech. You're the only one who knows what's the latest tech. Look for something with external connection. It should have its own terminal, large screen. And protected by security cameras, which I'll have to disconnect first. Standard procedure. Pirater le système pour trouver des informations. Déconnecter la première caméra. La caméra aussi, c'est chiant. Enfin, on peut pas la bouger, notre caméra. C'est un peu relou. Donc du coup, bon bah voilà quoi. J'ai l'homme 17 ans, jambes arrachées, griffures profondes à l'abdomen. Ne cesse d'évoquer une créature squelettique faite d'ossements assemblés. Ok. Il a peut-être trop joué à Dark Souls, lui. Ah là, elle va me voir direct, non? Ah! Non, mais j'y étais... Ah. Ça va passer à la casserole. J'étais pas dessus, putain. Peut-être un pixel. Oh, bleu, ça fait quoi? Putain, faut que j'aille à l'autre bleu. Oh! Ok.
Ça a marché. Vite, vite, vite. Ok. Ah ouais, mais... On peut activer ça. Ouais. J'ai tenté. Quand est-ce que je passe? Fouf. Ça donne pas envie. Moi, j'avoue que je le prends parce que j'ai joué aux anciens Fear Effect, en fait. C'est surtout ça. Donc, je suis assez curieux. Il y a une caméra là. Ouais, une caméra. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont fait avec celui-là. C'est surtout pour ça. C'est surtout de la curiosité par rapport à la série en fait. Ah waouh, super. Waouh, pas mal celle-là. Rouge ou bleu? Bleu. Parce que le jeu, j'ai l'impression qu'il est plutôt bourré de puzzles qu'autre chose, quoi. Ok, c'est cette caméra qu'il faut pas bouler. Ah oui, c'est le jaune là. Ok, d'accord, ça marche. Ah. Sont donnés à fond sur les puzzles, hein, putain. Mais bon. Cameras off. I'm going back to the fancy machine. You ready? Yep. Just let me know when you start the transfer. J'ai vraiment l'impression que c'est puzzle quoi. C'est Le truc qui était bien dans les anciens Fear Effect, c'est qu'au moins les phases d'action en fait étaient bien. Il
Les phases d'action étaient fun. C'était fun à jouer. Là, c'est moins fun. C'est beaucoup moins fun à cause de ce gameplay-là. Donc du coup...